Au d'Afrique, on partage nos joies comme nos peines. On y va Aujourd'hui, au Matanel d'Afrique, nous irons à votre écoute pour échanger sur les fausses couches. Nos enfants de la récré nous diront ce qu'est un papa ou une maman. Et enfin, dans notre rubrique de femmes inspirantes, elles l'ont fait nous recevons Isabelle Moreno. Mais avant cela, nous allons répondre à vos questions sur l'alimentation dans notre rubrique Miam Miam. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Michel qui nous écrit de Bamenda au Cameroun. Alors, que me dit Michel Michel se pose la question euh, de euh, s'il est possible de donner du soda et autres boissons gazeuses aux enfants. Alors, Michel, déjà, je pense que c'est un très bon comportement que de se demander ce qui est bon ou pas dans l'alimentation de nos enfants, notamment les boissons gazeuses et autres sodas. Vous savez que très facilement, nous, dans la sous-région, on a tendance à, à chaque fois accompagner les goûters et les repas de sucrerie. Alors nous avons posé la question à notre nutritionniste docteur Amenito pour savoir ce, ce qu'il en pensait et euh, en fait il est très clair docteur Amenito ce qu'il nous dit c'est que un enfant si vous démarrez en l'habituant à manger trop sucré ça va faire un adulte qui dès qu'il aura un petit coup de blouse va se ruer sur le sucre c'est pas ce qu'il y a de bon pour la santé un exemple très simple vous prenez une canette de soda donc, vous savez, les fameux sodas qui sont dans des canettes rouges, là, qu'on connaît très bien. Hein, ces sodas, là. Eh bien, dans une canette de soda, on trouve sept morceaux de sucre. Imaginez quand vous consommez plusieurs canettes de soda dans la journée, la quantité de sucre que, que vous consommez. Donc, j'ai demandé à notre naturopathe muna Akwe, au Togo, ce qu'elle en pensait. Elle nous a dit, bon, si les enfants aiment bien manger sucré, déjà, vous pouvez leur, leur proposer de, de boire des jus de fruits. On a tellement de fruits chez nous, pourquoi ne pas en profiter Mais vous pouvez aussi euh, leur faire goûter euh, ce, euh, ce petit fruit que nous appelons le tamarinier noir. Alors il est appelé atitoué chez moi au Togo, mais on l'appelle aussi chat noir en Côte d'Ivoire. Donc ce fruit, il est bon parce qu'il a un petit goût sucré euh, et un petit goût acidulé. Il est riche en protéines pour le développement euh, euh, musculaire. Il est riche en fer, ce qui est très bon justement pour combattre l'anémie. Et je sais qu'au Nigeria, on le préconise justement pour euh, augmenter la lactation, pardon, euh, des femmes qui allaitent euh, ou encore combattre euh, les troubles intestinaux euh, et de digestion. Voilà. Donc, Michel, j'espère que j'ai répondu euh, à votre question. Si vous aussi, vous avez des questions sur l'alimentation auxquelles vous souhaitez que je réponde, vous n'hésitez pas à les poster sur la page Facebook des maternelles d'Afrique. La fausse couche est une complication fréquente, puisqu'elle concerne 10 à 15 des grossesses. Et vous savez quoi On a interrogé nos maternautes sur la page Facebook des maternelles d'Afrique et on leur a demandé si elles avaient déjà vécu une fausse couche. Et sur 78 personnes, 78 femmes, 31 ont répondu oui. Ce qui veut dire que ce n'est quand même pas un chiffre négligeable. Donc aujourd'hui, nous recevons donc deux personnes, deux femmes qui sont passées par là et qui nous font la joie et l'honneur de venir partager leur histoire. Aujourd'hui, je reçois Laetitia. Laetitia, vous avez 29 ans. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes commerciale et vous êtes la maman de Mila Eden qui a un an. Oui. Bienvenue à vous. Je reçois également Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour. Sonia, vous êtes responsable commerciale. Vous avez 35 ans oui. et vous êtes la maman de Eloane N. qui a 9 ans, Marc-Alain qui a 6 ans, Paul-Anthony qui a 5 ans. C'est oui, ça? ça Bienvenue à vous. Merci. Et nous recevons notre sage-femme préférée, Michel Gonto. Michel gontaut dont vous animez une page Facebook qui s'appelle Case Maternelle. Je vous invite à visiter parce qu'elle fait des vidéos pétillantes. Merci à vous d'être là, sage-femme. La sage, comme on dit. Alors, on va commencer avec vous, Laetitia. D'accord. Laetitia, à la base, vous ne vouliez pas avoir d'enfant. Non. Alors, racontez-moi. Alors, euh, je n'étais pas très disposée à avoir euh, un bébé parce que pour moi, ça a demandé beaucoup de responsabilités. Donc, euh, je me disais, bah, est-ce que je pouvais être maman euh, Ça demande beaucoup, donc je ne veux pas de bébé. Et... Euh je me souviens que quand j'ai rencontré celui qui est aujourd'hui mon mari lui il rêvait d'avoir beaucoup d'enfants donc je lui ai dit bah moi c'est pas mon rêve d'avoir beaucoup d'enfants mais je me suis dit bah sûrement après il va oublier son projet de beaucoup d'enfants donc euh, un jour un soir il vient me voir il me dit bon moi je suis sérieux je veux avoir beaucoup d'enfants donc je pense que si tu ne veux pas on va arrêter bah, ça m'a amusée parce que je me suis dit « bon, c'est moi la femme, je peux dire oui ». Et il m'a arrangé à ne pas avoir d'enfant. Donc, c'est sur cette base, j'ai dit « bon, il n'y a pas de problème, on va essayer de faire un enfant ». Sachant que derrière, je savais ce que j'allais faire pour ne pas avoir d'enfant. Et euh, un matin, il me dit bah, « j'ai l'impression que tu dors beaucoup, tu es fatiguée, est-ce que tu es pas enceinte ?» J'ai dit « non, bon, peut-être ». Mais derrière, je me dis « non, c'est pas pour Je ne veux pas être enceinte, je, je prends mes précautions, je fais ce qu'il faut ». Et je fais le test de grossesse, bah, je suis enceinte. Michel est content, euh, moi, bon, ça ne me dit absolument rien. Et euh, je pars faire l'échographie, la toute première échographie, je me suis dit, peut-être j'étais dans les débuts. Et le gynéco me fait entendre euh, le battement du cœur du bébé. Ah là là. Et à, tout de suite, je commence à pleurer, j'oublie tout ce qu'il y avait derrière, mais lui il ne savait pas que je ne voulais pas faire de bébé. Donc bon, il me connaît... Euh, donc quand il a vu que je commençais à pleurer, il s'est dit bah elle est touchée d'avoir un bébé, elle est contente et tout. Et là je me suis dit bah c'est aussi magnifique de faire un bébé. Euh, quelques temps après, maintenant je me suis réveillée, j'avais l'impression euh, que j'avais fait euh, pipi sur moi. Et c'était en fait le liquide amniotique. Je savais pas ce que c'était, bon je pars sur Google, je regarde. Euh, j'appelle euh, maman, j'appelle des tantes qui me disent bah de faire une échographie, on pourra mieux te dire ce qu'il va pas. Là, je pars, mon gynécologue n'est pas là. Je trouve une dame qui est là, qui est aussi gynécologue, et qui m'ausculte, elle me dit, il bah, n'y a rien, tout va bien, y a pas de, le col est fermé, il n'y a pas d'infection, donc euh, peut-être euh, c'est juste, euh, effectivement, que peut-être tu t'es fait pipi, tu ne sais pas. À peine une semaine, je commence à saigner. Je dis, bon, je cours à l'hôpital, on fait l'échographie, et là, le médecin qui va me dire, euh, on vous donne deux semaines, pour rester couché parce qu'on constate qu'il n'y a vraiment plus de liquide amniotique. Donc, soit si le liquide ne s'est pas régénéré, on va vous faire une évacuation parce que même si vous persistez à garder le bébé, euh, l'enfant ne va pas être en bonne santé et puis euh, je pense pas que ça va vous faire plaisir d'avoir un premier enfant malade. Et je pense même pas que l'enfant va vivre. Donc là, euh, toute bouleversée, je rentre à la maison, j'appelle mon mari, j'appelle ma maman et tout. Donc, plus on me demande de rester couchée. J'avais l'impression que quand j'étais couchée, c'est là même que ça. Le liquide, j'avais dit que c'était un mélange de sang et du liquide. Et je commençais à saigner abondamment. Là, ça, je voudrais vous demander. Là, on est, on est dans une situation où on a. Qu'est-ce que c'est qu Est-ce que c'est est -ce est une rupture prématurée de la pose des os, le liquide amniotique qui, qui s'écoule Qu'est-ce qu qui aurait pu se passer euh, déjà avec l'effet qu'elle qu qu expose, elle a dit que Mathilde a senti comme elle avait fait comme si elle avait fait pipi sur elle. Donc ça me fait déjà penser à une, à une fissure des membranes avant terme. Hein. Et cette fissure des de, de membranes a pu causer ce qu'on appelle une oligoamniose. Alors l'oligoamniose c'est une pathologie du liquide amniotique qui va être caractérisée par une insuffisance du liquide amniotique par rapport au terme. Le liquide amniotique, c'est ce liquide dans lequel le bébé baigne dans l'utérus de, de sa mère. Il permet à, à, d'être à température ambiante, qui va permettre également d'être protégé contre les infections et contre les coups extérieurs. Donc, cette pathologie-là, elle atteint le liquide amniotique. Il n'y a plus de liquide amniotique comme elle l'a signifié. Alors, ça va avoir des conséquences graves sur le bébé, surtout quand ça arrive euh, au premier et au deuxième trimestre. Quand c'est au troisième trimestre, on peut encore essayer de gérer jusqu'à ce que le bébé soit viable, qu'il ait 2 kilos ou bien qu'on le fasse sortir par voie haute. Mais quand c'est au premier trimestre ou au deuxième trimestre, comme elle a dit, elle était à 5 à mois, alors là, euh, les conséquences sont plus graves. Parce que ce liquide amniotique-là, il va jouer un rôle important dans la maturation de l'appareil pulmonaire de l'enfant. Il va jouer également un rôle important dans, dans le bon développement locomoteur de l'enfant. Donc, s'il n'y a pas de liquide amniotique déjà à 5 mois, euh, il n'est pas très évident que l'enfant puisse tenir jusqu'à 9 mois. Et même si ça arrivait, l'enfant va naître avec des complications, de graves problèmes de santé. Donc il y a des fois, c'est une, une situation inexpliquée qui va donc, générer ce, ce, ce genre de, de problème, de situation. Et il y a des fois, c'est le corps qui décide lui-même oui. euh, de, de générer une interruption. Et C'est ça qu'on appelle une fausse couche. C'est oui. quoi une fausse couche La fausse couche, si vous voulez, c'est l'interruption ou l'arrêt spontané de la grossesse. Dans les cinq premiers mois, cest dire la maman n'a rien fait pour provoquer ça, et puis elle perd le bébé. Donc, est-ce que c'est fréquent Est-ce que c'est fréquent d'avoir d'avoir des, des fausses couches durant les trois premiers mois de grossesse Oui, il y en a. Il y a des femmes qui ne s'en rendent même pas compte, mmh. parce qu'en général et surtout sous nos tropiques, ce n'est qu'après trois mois, voire quatre mois, qu'on reçoit les femmes même à la maternité quand elles viennent pour la première consultation prénatale. D'accord. En parlant de fausses couches justement, donc euh, Sonia, mmh. Sonia, vous par contre les fausses couches, vous en avez eu Oui. Et vous, vous pouvez me raconter comment ça s'est passé pour vous J'ai fait trois fausses couches. J'étais déjà en, encore, encore à l'école sur le bancs. J'étais en année de BTS. Ça, c'était ma première, ma première grossesse. En tout cas, moi, je voulais des enfants parce que je suis une fille unique. Et j'ai pris une grossesse qui a duré trois mois. Donc, un matin, j'étais dans la chambre, j'ai dit Bon, je vais aller me prendre une douche. Je rentre dans la douche. Et il y a une boule de sang qui, qui tombe. Automatiquement, j'appelle ma maman ou d'appeler mon mari. J'appelle ma maman. Elle me dit, bon, ça arrive souvent, mais de partir à l'hôpital pour voir. Donc j'arrive à l'hôpital, la sage femme me dit de faire l'échographie. Je fais l'échographie, la sage me dit qu'il n'y a plus d'œufs dans l'utérus. Bon, je n'ai pas compris, mais elle m'a dit qu'il n'y avait plus de grossesse. Quand devait faire une évacuation. Alors, justement, excusez excusez-moi de vous interrompre. La sage, qu'est-ce que ça veut dire quand il n'y a plus d'œufs dans le, dans le vent, dans l'utérus D'accord. Donc, après la fécondation, après que l'ovule et le spermatozoïde se soient accouplés, il va y avoir la nidation. C'est-à-dire, euh, le produit de conception, l'œuf qui naît là, il va passer des trompes, il va faire tout ce voyage-là et venir nider dans l'utérus au niveau de l'endomètre. Donc, à une certaine période de la grossesse, c'est un œuf après, il va devenir un embryon. Et après, un fœtus. Donc dans ce cas, cette perte de sang qu'elle a eue, c'est l'œuf qu'elle a perdu ainsi. Voilà. Donc dire qu'il n'y a plus d'œufs, ça veut dire qu'il n'y a plus de grossesse en fait. D'accord. Donc du coup, Sonia, donc, elle vous dit qu'il n'y a plus d'œufs. Donc vous comprenez donc, que vous avez perdu votre bébé. Qu'est-ce mm -hmm. qui se passe Donc elle m'a donné, je crois, des, des médicaments pour évacuer parce qu'elle m'a dit que ce n'était pas encore avancé. Trois mois, je crois trois ou quatre mois après, j'ai pris une autre grossesse. Là, j'ai dit non, je ne vais plus chez les sages femmes. Je vais partir, chez un gynécologue. Il m'a dit OK. Donc, je suis partie, je suivais, je faisais une consultation. Je crois que j'ai fait la première consultation quand j'avais trois mois. Et tout allait bien. Au quatrième mois de grossesse, le même scénario, je me lève matin. Je suis juste fatiguée, vraiment. Je rentre dans la douche, je, fais, je vois encore. Cette facile, ci ce n'est pas un caillot de sang, mais c'est genre du liquide maintenant qui versait. Donc, j'ai appelé ma, ma maman encore. Elle m'a dit Bon, allons à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital. Euh, le, le médecin me dit de faire l'échographie. J'ai fait l'échographie. Il me dit Oui, il n'y a plus d'œufs, que je ne suis plus enceinte. Mais là, maintenant, c'est une évacuation qu'on a me fait. Il m'a dit Non. Que la première fois, ce n'était pas une évacuation. On m'a donné des comprimés pour faire passer. Il m'a dit Si, si, qu'on va le faire. Il dit Non, je ne peux pas. Donc, j'ai appelé mon époux pour lui dire. Il m'a dit Non, il a répété la même chose au, au médecin. Et le médecin nous a expliqué tout ça. Maintenant, j'étais dans l'année de... où je devais passer mon BTS. J'ai pris une grossesse maintenant. Donc, là, j'étais. Carrément attentif. À trois mois, quand j'ai vu que je suis arrivée à trois mois, j'ai changé de, 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 de gynécologue. J'ai expliqué au gynécologue, il a dit Ah, ça fait deux fois que je fais deux fausses couches, est-ce qu'on peut me suivre normalement Il a dit Oui, il n'y a pas de problème. Donc, on a suivi la grossesse jusqu'à, je crois, sept mois. Sept mois, j'ai commencé à avoir des contractions. Je suis allée voir le médecin il m'a dit non, de me reposer, de n'est plus parti au cou. Il a dit Maintenant, je dois passer mon BTS cette année. Il faut que parte au cou. dit, mais c'est qu'il faut faire attention. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, je partais de temps en temps à l'école. Vous êtes enceinte de 9 mois. Votre camarade vous appelle et vous annonce qu'elle a accouché. Qu'est-ce qui se passe Donc, j'ai dit, non, ce pas possible que moi j'accouche avant, avant elle. Donc, j'ai demandé à mon mari d'aller faire l'échographie. Déjà avant ça, j'avais déjà fait plus de 5 échographies. Du coup, on demande 3 échographies. Moi, j'ai déjà dépassé parce que j'avais déjà peur déjà pour mon antécédent. Donc, j'ai dit à mon époux, ah, on va aller faire l'échographie. Il dit, non, ton rendez-vous n'est pas encore arrivé, attendons un peu. Il dit, non, non, je vais aller faire l'échographie. Que ma copine de classe a accouché. Que non, moi, je dois coucher avant elle parce que moi, j'ai déjà 35 semaines. Arrivé hein, devant l'échographe, l'échographe commence à faire l'échographie. Il me dit, tu, tu veux une fille ou tu veux un garçon Il dit, non, je veux une fille. Bon, qu'importe, mais c'est que si je veux une fille, un premier enfant. Il dit, ah d'accord, donc, félicitations, tu as une fille. Il dit, oui, l'ancien échographe m'avait dit. Bon, je n'ai pas regardé son visage déjà, je regardais sur l'écran pour voir si l'enfant, son cœur battait. Mais il a retourné euh, l'écran. Normalement, quand tu fais l'échographie, on te donne le papier en même temps. Donc, il m'a dit Bon, madame, allez vous asseoir dehors. Je suis allée m'asseoir, j'attendais cinq minutes, je ne vois pas mon, mon mari. Il a, il a duré là-bas, il fait quoi Donc, il sort, il vient, il me dit Bon, on va aller voir ta maman. Il dit Mais non, on a fini de faire l'échographie, on rentre chez nous à la maison. On va aller faire quoi chez maman je lui ai dit, mais attends, l'échographe t'a dit quoi Donc, on l'a vu que j'insistais, il me dit, non, l'échographe dit que le battement de l'enfant n'est pas trop fort. Donc, on va aller voir ta maman et puis on va voir comment on peut faire. Non, si l'échographe si te dit que le battement n'est pas fort, on va voir le gynécologue, on ne va pas voir maman. Mais attendez, mais pourquoi est-ce qu'il voulait aller voir votre maman Est-ce qu'il voulait aller voir votre maman parce que vous nous expliquiez en préparant l'émission que votre maman, c'est une spécialiste d'indigénat Est-ce que c'était lié à ça Bon, pas qu'elle qu est, qu est une spécialiste d'indigénat, mais à toutes mes grossesses, elle voulait que j'utilise l'indigénat. Mais dans cette situation, c'était différent. Là, votre, ça, tu... votre mari commence à pleurer. Voilà. Donc, il a commencé à pleurer. Il dit Mais tu pleures pourquoi On dit L'enfant n'est pas mort. On dit L'enfant ne respire pas bien. Donc, on va voir le gynécologue alors. Il dit Non, non, non. Que on va aller voir ta maman. Il dit Non, 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 il faut garer. Tu vas me dire clairement ce qu'il y a. Il dit Non, on dit L'enfant ne respire plus. L'enfant ne vit plus. J'ai dit que mon enfant ne vit plus. Il dit non, mon enfant ne vit plus. Donc, quand il a dit ça, j'ai resté un peu triste. Il m'a dit, tu es triste. J'ai dit, non, non, non je ne suis pas triste. Je ne suis pas triste, pas du tout. Et on est arrivé chez ma maman. Dès qu'on est arrivé chez ma maman, je n'ai pas pu me retenir. J'ai dit, maman, ils ont tué encore mon enfant. Ils l'ont tué encore, parce que j'avais déjà neuf mois de grossesse. Oh là là. Je suis, je vous savez, ce sont des moments... Très difficile parce que je crois vous, vous, euh, euh, Laetitia, euh, vous avez fait une deuxième fausse couche et euh, vous pouvez m'expliquer ce que vous avez ressenti quand vous avez, euh, quand, quand, ce qui s'est passé après, quand vous, vous avez dû souffrir euh, ce moment difficile. D'abord, avant la deuxième fausse couche, la première fausse couche, quand je pars dans un magasin, dans une boutique, que je vois les habits d'enfants, je ressors. Quand je pars dans un hôpital qu'il y a trop d'enfants, je, je retourne à la maison. J'étais devenue nerveuse, j'insultais tout le monde, j'avais pas envie de parler. Souvent, je suis contente, souvent, je suis énervée. Et c'était très, très difficile. Il y a des moments où je me cachais pour pleurer, il y a des moments où je pleurais devant tout le monde. La deuxième fois, ben, j'ai été quand même un peu plus. C'est plus la première fois qui m'a beaucoup fatiguée. Parce que je me suis dit, cinq mois, bon, le ventre avait déjà commencé à sortir, donc peut-être deux, trois personnes ont vu. La seconde fois, je vais dire que ça faisait même pas encore deux mois. Donc là, j'ai pu au moins cacher, mais ça a été vraiment éprouvant. C'est bizarre, mais quand tu marches, tu as l'impression qu'on te regarde pour ça. La sage, c est, c est, ces témoignages sont vraiment euh, poignants. C'est vraiment difficile pour une, pour une future maman comme ça de perdre, de perdre un bébé. Je voudrais vous demander déjà quels sont les différents types de fausses couches. D'accord. Les, les différents types de, de fausses couches fausse couche, se classent en fonction du, du terme de la grossesse auquel ils surviennent. Alors quand cela va arriver dans les 14 premières semaines de la grossesse, on va parler de fausse couche ou d'avortement spontané précoce. Entre la 14e et la 22e semaine, on va parler de fausse couche ou d'avortement spontané tardif. Donc au-delà de la 22e semaine quand après 5 mois, là on parle de mort fœtale in C'est plus une fausse couche. Donc là, dans le, dans le cas, de, de cas de Sonia, par exemple, c'était la dernière la, situation. Oui, pour la dernière, la dernière grossesse, c'était une mort fœtale in utero. D'accord. Qu'est-ce qui peut causer une fausse couche Quelles sont les causes des fausses couches D'accord. Il y a des causes liées d'abord au fœtus lui-même. C'est-à-dire, lorsqu'il y a anomalie au niveau des chromosomes, mais anomalie génétique, la nature elle-même s'arrange à évacuer cela. Le, le style de vie aussi, l'hygiène de vie de la maman aussi, ça peut provoquer des fausses couches. La consommation abusif d'alcool, de drogue, de nicotine, de cigarettes pendant la grossesse, ça également, ça peut causer des fausses couches. Et l'élément qu'on oublie très souvent, l'incompatibilité résus également peut créer des fausses couches. Lorsque la mère est de résus négatif et que son compagnon est de résus positif, s'il arrive que le bébé prenne le résus de son papa, alors l'organisme de la maman va identifier ce bébé là comme un corps étranger et donc peut développer des policiers, si vous voulez, en griffe ou faire simple pour aller attaquer euh, ce qu'elle considère comme un corps étranger. Donc il y a plusieurs causes qui peuvent être à l'origine d'une fausse couche. Merci pour ces réponses. C'est une autre question concernant l'entourage, parce que euh, je suis passée par là, et certaines fois l'entourage peut être assez maladroit. Oh, tu peux en avoir d'autres, euh, ou bien non, toi, tu n'arrives pas à avoir des enfants, toi, tu es une, tu es une fille à fausse couche. Qu'est-ce qu'on qu qu peut donner comme, euh, comment dire, euh, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là Comment on parle, comment on s'adresse normalement à une, à, une, à, une, à une personne qui vient de, de vivre une fausse couche Donc le rôle de l'entourage, c'est de l'accompagner dans ce processus, de l'accompagner dans cette aventure, ô combien tumultueuse parfois, de l'accompagner dans cette aventure. Et s'il arrive par malheur que cette aventure s'interrompe brutalement, eh bien, L'entourage a le devoir de continuer à l'accompagner, de l'encourager, de l'entourer d'affection sans forcément la stigmatiser. Vous qui, me, vous qui me regardez et qui êtes dans la situation, vous avez, vous avez subi plusieurs fausses couches. Si vous êtes en bonne santé, vous n'avez pas de problème de rhésus, pas de problème de diabète, rien de particulier qui expliquerait ça. C'est juste que la nature, à un moment, quand l'œuf s'est formé ou l'embryon s'est formé, il y a quelque chose qui fait que la, la nature a dit ce n'est pas le moment. C'est pas bon. Donc, ça n'a rien à voir avec vous. C'est juste que ce n'est pas le moment. Voilà. Mais je vais vous dire on a des exemples, de, de très bons exemples. Vous êtes maman Oui. Vous êtes maman Oui. Alors, comme quoi, après plusieurs faux couches, fausses couches, on peut devenir maman. N'est-ce pas Alors je vous remercie vraiment, sincèrement, toutes les deux, Sonia et Laetitia, d'être venues nous voir et d'avoir partagé ces moments difficiles avec nous. Mais je sais qu'il y, qu y a des parents aujourd'hui qui ont été très contents de vous entendre et qui, qui sont dorénavant rassurés. La sage, merci beaucoup pour, pour votre sagesse, <laughs> toutes, ces, toutes ces informations précieuses. Et j'espère vous recevoir bientôt de nouveau au maternelle d'Afrique. À bientôt. À bientôt, alors là je vais recevoir encore une femme explosive, mais avant ça, la récré. Et la maman, ça sert à quoi? Elle paye les choses, elle paye les avis à son enfant. Les mamans viennent et achète les robes. La maman achète les avis. Il fait bon là-dehors, on est bien. Ouais. On est bien comme ça, sur la terrasse des maternelles d'Afrique. Bienvenue Isabelle Moreno. Merci. Comment allez-vous Très bien. Je suis ravie de vous recevoir. Vous savez, cette rubrique, c'est une de mes rubriques préférées. Parce qu'on reçoit des femmes qui nous inspirent, des femmes qui ont un parcours intéressant. Alors, vous êtes maman en plus, vous êtes mmh. maman d'un petit Marcel, je crois. Tout à fait. Quel âge a-t-il Alors, Marcel a aujourd'hui 16 ans. Oh là là, il exactement. est de décembre, donc il a eu 16 ans le 3 décembre dernier. Alors, Isabelle, vous, vous avez une expérience intéressante parce que vous avez commencé dans l'événementiel. Oui. Et puis vous êtes passée de l'événementiel au maquillage. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est comment on passe de l'événementiel au maquillage. Mais justement, c'est lié au petit Marcel, comme vous avez dit. Ah. Quand Marcel était petit, en fait, euh, j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir m'en occuper comme je devais. Donc, je me suis dit, mais je vais mettre une pause à ma carrière professionnelle normale, conventionnelle. Et pourquoi ne pas s'essayer à une passion que j'aimais pendant un certain temps, quitte à revenir après en entreprise J'ai posé ma démission et euh, j'ai commencé donc mon activité de maquilleuse. Alors, Tout vous simplement. avez commencé comment votre activité C'est-à-dire, vous aimez le maquillage, mais vous avez suivi une formation Ou comment, comment ça a marché je suis, euh, je suis allée en France et je me suis fait une mallette professionnelle. Et avec les livres, avec Internet, avec plein de choses, et avec quelques formations évidemment. Donc euh, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière de make-up artiste. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous êtes quand même un nom que l'on que, que connaît bien en Côte d'Ivoire. Euh, vous donnez des conseils, vous avez, je crois, un institut de formation, oui. vous avez des instituts euh, de beauté. Euh, ça fait combien de temps que vous faites ça maintenant Alors je vais vous raconter un peu l'histoire. Alors euh, j'ai commencé en 2004. On va dire que de 2004 jusqu'en 2007, je faisais uniquement du maquillage. Donc mon fils était petit, ça me permettait d'avoir donc des rendez-vous fixes. Mais à partir de 2007, j'ai décidé d'ouvrir mon premier institut de beauté et euh, j'ai appelé donc des esthéticiennes pour venir m'aider. En 2009, j'ai ouvert le deuxième institut, ensuite le troisième institut et puis j'ai diversifié en fait les, les activités. Ça fait que chez Moreno, au jour d'aujourd'hui, on fait de la beauté plurielle. On va dire beauté plurielle, pourquoi Parce qu'on s'occupe de la femme et des hommes, donc euh, des pieds jusqu'aux cheveux. Est-ce qu est que vous avez rencontré des, 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 des obstacles dans votre parcours de femme entrepreneur Alors, on va dire que de par mon tempérament, même quand j'ai des difficultés, je réussis toujours à positiver. Donc, je n'arrête jamais. C'est vrai qu'il y a certaines choses que j'ai peut-être arrêté de faire pour en développer d'autres. Donc, c'est un parcours, je veux dire, normal pour moi. Alors, quel conseil vous donneriez à ces femmes qui nous regardent Donc, je dirais qu'il faut apprendre à se connaître soi-même et à savoir est-ce que le domaine qu'on veut toucher est un domaine qui nous sied et si c'est le cas mais je dis euh, seul le travail paye. Donc quand on fait quelque chose avec patience et sérieux et constance en général, on obtient toujours les fruits. Merci Isabelle, merci beaucoup. Avec plaisir. Vous savez quoi Je suis très fatiguée en ce moment. Je pense que je vais aller faire un petit tour là me faire masser ou me faire avec requinquer plaisir. dans un institut. <laughs> on en parle tout à l'heure. Alors, à la vôtre.